Direct. Coucou! Eh ben voilà, je suis dans la cuisine. Non, mais on va pas le dire, hein, c'est pas une heure pour cuisiner, mais moi, c'est souvent le cas. Je voulais te demander, est-ce que tu connais le vitaliseur et est-ce que tu utilises la cocotte minute? Attends, je te montre. Regarde pas trop ma cuisine, d'accord? J'aime bien danser, mais faire le ménage, c'est pas mon fort. Voilà, ça, c'est les cocottes minute. Mais ça, c'est le vitaliseur de Marion. Attends, vitaliseur de Marion, c'est noté quelque part, ça? Ouais, tu connais ça? On le voit? On voit pas? Si, c'est écrit là. J'adore. Vitaliseur de Marion, quand on sait, ça c'est cuire à la vapeur. Et alors, moi je trouve que c'est vraiment meilleur. Et la cocotte minute, bah, j'ai utilisé ça souvent. Ça va plus vite, mais il paraît que ces hautes températures sont pas si bonnes. Toi, tu fais quoi? Et alors, tu sais quoi? Je vais aller en haut parce que mon fils y fait une fête ici. Je sais pas qui quelqu'un. Bon, on va voir sa mère en train de faire un Facebook Live. Alors, je ne sais pas qui ici sur ma page a besoin d'entendre ça et ne me demande pas pourquoi. Je veux dire ça maintenant et j'ai senti qu'il fallait absolument que je le dise maintenant. Je vais aller dans ma chambre. Fait noir là-dedans. Ouh. Ah voilà. Et pourquoi je dois le dire maintenant? Mais je voulais te dire, ah coucou, je voulais te dire que tu es une survivante, que tu es une femme fantastique, courageuse, et je ne sais franchement pas comment tu as fait pour survivre. Et franchement, je ne sais pas très bien comment moi j'ai fait non plus. Survivre toutes ces choses de notre vie de femme, n'est-ce pas? J'ai écrit en fait un email ce soir et waouh, je me dis, waouh, toutes ces femmes qui lisent ça et toutes ces femmes qui sont incroyablement fortes et débrouillardes et qui trouvent des stratagèmes pour survivre. Même bon, si ça ne nous rend pas parfaitement heureuses, mais on est toujours là, quoi. Moi, je suis totalement en admiration. Et donc, je voulais te dire ça. Je voulais te dire que tu es une survivante, que tu es une femme forte et que tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu es tellement forte. C'est parce que tu ne demandes pas de l'aide, parce que tu penses que tu dois faire ça seule. Tu penses que tu es peut-être la seule à avoir ce genre de situation. Et à cause de ce fonctionnement que nous avons, les femmes qui sont sensibles, les femmes qui sont des combattantes, des femmes fortes, c'est toujours le même scénario qui se joue. À cause de ça, eh ben, on ne va pas demander de l'aide. Et à cause de ça, ben, on galère et on tient, 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 tient. Et puis on s'écroule. Tu sais ce qu'on fait quand on s'écroule et c'est ça qui est faux. Moi, je le vois tout le temps. Et je voulais te dire que vraiment, sache que nous sommes tous dans le même bain et tous pareils. Et donc, arrête de fonctionner comme ça. Quand on s'écroule, à ce moment-là, ce qu'on fait, on va se dire, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. On culpabilise, on se trouve pas à la hauteur, on va commencer à se critiquer. Ces critiques intérieures chez les femmes qui sont fortes et sensibles, j'ai l'impression qu'il a un double pouvoir. Et je voulais juste les dire, j'ai eu ça sur le cœur là, tout de suite, j'étais en train de. Oups, d'ailleurs, je ne vais pas reparler trop longtemps. Tu sais que moi, quand je fais à manger, il y a mon alarme feu qui se met en route et alors tous les voisins savent que j'ai cuisiné. Je te jure, c'est vrai. Bon, bref. Donc, je ne vais pas faire trop long parce qu'une fois que je me mets à faire autre chose, et là, en bas, ça brûle, quoi. Donc, je voulais te dire ça, que parfois, on est comme sous pression et on ne sait pas pourquoi. À l'intérieur, quelque chose n'est pas heureux et on trouve des stratagèmes. Et quand tu tombes sur cette connexion au sacré à l'intérieur, waouh! Ça ouvre des portes, ça enlève la pression. Tout d'un coup, tu trouves d'autres sortes de solutions de ce que tu as eu toute ta vie, de ce qu'on t'a dit toute ta vie. Et c'est juste magique, c'est juste extraordinaire. Et j'espère que tu es sur ce chemin, j'espère que tu fais aussi quelque chose dans ce sens. Tous les efforts, même les tout petits efforts dans ce sens, c'est l'univers qui répond. Tu as quelque chose comme l'amour qui répond à ça, comme un parent super bienveillant qui va dire à son enfant, vas-y, marche, marche, remarche. Ah, c'est pas grave que t'es tombé, marche. Tu vois, comme ça, c'est comme ça que c'est. Et voilà, c'est ça que je voulais te dire. Je sais pas si toi, tu as juste besoin.
d'entendre et de recevoir ces paroles-là, mais sache ça et reste pas seul dans un coin. Parle avec quelqu'un, n'aie pas peur, on est tous pareils. Alors là, j'envoie un gros bisou, un big hug, comme on dit en anglais, et j'espère que tu vas bien. Bye bye.